Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Très bien. Alors, qu'est-ce que veut dire la note d'aujourd'hui? Nous sommes en quel jour de semaine? Mardi. 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 Oh, et quel mois d'année? En quel mois d'année? Mai. Mois de mai. Alors, en mois de mai, est-ce qu'il y a de la neige? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voyez ailleurs? Les arbres. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il y a de la neige ou la pluie? Non. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du soleil. Le soleil. Très bien, Alex. Il y a du soleil. Les papillons. Les papillons. Pas encore. Est-ce qu'il y a des nuages ou non? Oui. Le ciel est nuageux ou non? Oui, regardez. Est-ce qu'il y a des nuages? Non. Non. Le ciel, il est tout bleu. Il est comment? Tout bleu. Bleu. Très, très bien. Alors, est-ce qu'il fait froid? Non. Il fait comment? Il fait beau ou bien il fait mauvais? Oui. Il fait beau ou bien il fait mauvais? Oui. Il fait beau. Il fait beau. Il fait beau. Donc, nous sommes en quelle saison? C'est la saison du? Du printemps. Très bien, Ibrahim. Nous sommes à la saison du printemps. D'accord. Regardez avec moi ici. Qu'est-ce que vous voyez ici? C'est? Le soleil. Le soleil. Le soleil. Et là? Et celui-là, c'est un oiseau. Là, c'est un oiseau. Et celle-là, c'est un arbre. C'est un arbre. Il est comment l'arbre? Est-ce qu'il est nul ou bien il est fleuri? Il est fleuri. Il est fleuri. Est-ce qu'il y a des fleurs ici ou non? Est-ce que vous voyez des fleurs ici ou non? Oui. Oui. Combien il y a de fleurs? Il y a beaucoup de fleurs ou non? Beaucoup de fleurs. Ils sont de quelle couleur? Jaune. Jaune. Rouge. Rouge. Mauve. Mauve. Des arbres fleuris, des papillons, des coccinelles, des champignons, du soleil. C'est l'aspect de l'hiver ou bien du printemps ou bien de l'automne? Oh, c'est le printemps. Très bien seulement. C'est l'aspect du printemps. Donc, nous sommes dans la saison du printemps. Au revoir. Printemps. Saison du printemps. Très bien. On va commencer avec Mélec. Bonjour Mélec. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va jouer plusieurs jeux ensemble. Chacun de vous va jouer un jeu unique. D'accord? On va commencer avec un jeu Montessori, du jardin des fleurs. Qu'est-ce que tu as devant toi Mélec? Ce sont des? Des? Ce sont des fleurs. Ce sont des fleurs. Elle est de quelle couleur cette fleur, Malek? Jaune. Et celle-là? Rouge. Très bien. Qu'est-ce que tu vois ici, Malek? Qu'est-ce que tu vois ici? M. C'est la lettre M. Et ici?
Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Merci Rachid pour cette introduction. Merci à vous tous de participer à cet événement-là. On est très heureux d'être parmi vous et de vous présenter un peu l'étendue, on va dire, de l'offre Eaton par rapport à cette thématique, on va dire, mondiale, internationale aujourd'hui qu'on vit. L'enjeu aujourd'hui, il est important, on va dire, en termes d'économie d'énergie, d'accord ? Parce que le monde, il vit un stress. C'est pas un stress électrique forcément, mais l'énergie en général, que ce soit l'énergie qui provient, on va dire, de l'électricité ou une énergie aussi hydrique, d'accord ? Je me présente déjà, Mohamed Amin Boukili, donc je suis directeur commercial chez Eaton. Avant ça, je suis un ingénieur d'État, passionné aussi par le monde de la technologie. Je suis aussi de près de l'actualité, on va dire, pour notre secteur principalement, c'est-à-dire le secteur de l'énergie. Je fais partie aussi d'un groupe mondial qui lui-même a au cœur de son, on va dire, de son ADN, la recherche et développement dans ce domaine-là, et comment aujourd'hui les entreprises, on va dire multinationales, peuvent contribuer au confort de tout un chacun, mais tout en préservant les ressources naturelles aujourd'hui. D'accord ? Donc, le déroulé, on va commencer d'abord par une brève présentation de Eaton pour ceux qui la connaissent et aussi pour ceux qui ne la connaissent pas, d'accord ? Donc, on va vous dire, Eaton, qu'est-ce qu'elle fait de bon dans ce monde ? On enchaînera ensuite par une, on va dire, introduction sur le thème de la journée qui est la transition énergétique, d'accord ? Nous, chez Eaton, on l'appelle le « building as a grid ». Donc, on monte tout un réseau, tout un network qui aujourd'hui doit être, on va dire, communicant. Il y a beaucoup de spécificités. Et par la suite, on vous montrera les différentes solutions qu'on met en place pour les différents secteurs, que ce soit au niveau de la mobilité, au niveau des buildings, c'est-à-dire les maisons, là où on vit chacun d'entre nous, nos bureaux, c'est-à-dire nos quotidiens. Et on finira par la suite par, on va dire, les références, quelques références qu'on a réussi dans le monde et qu'on, on va dire, et on a l'intention aussi de les réussir au Maroc, parce que le Maroc, il fait partie de cette transition qui s'impose, on va dire, de jour en jour. Et voilà. Donc on démarre rapidement avec Eaton. On va y arriver quand même. Hein. Donc Eaton, dans le monde, donc, c'est une entreprise multinationale d'origine, on va dire, américaine. Mais au fil du temps, ses acquisitions, de par sa grandeur, est devenue plutôt internationale. Au départ, il était plutôt focus, on va dire, sur un secteur qui est le secteur industriel. Par la suite, on va dire, et la nature des choses a fait que nous nous sommes spécialisés aussi dans la gestion d'énergie, principalement, dès le départ, avec toutes ses composantes. Voilà, donc ça un peu le sommaire qu'on avait dit tout à l'heure, on va voir. Alors, Eaton, un peu de chiffres, on va dire. Alors, Eaton, c'est une entreprise qui pèse dans le monde un peu plus de 20 milliards de dollars, d'accord ? Présente dans plusieurs pays avec des filiales, que ce soit au niveau de l'Afrique, donc au niveau des États-Unis, donc là où on est leader, au niveau de l'Europe et aussi de l'Amérique latine. On est plus présent dans plus de 175 pays avec plus de 95 000 employés dans le monde. Alors, il a été aussi, primé sur pas mal d'événements mondiaux comme étant une des meilleures entreprises citoyennes, une des meilleures entreprises aussi qui a une approche sécuritaire, on va dire, en termes de distribution électrique. Et on agit principalement sur tous les acteurs. Donc aujourd'hui, on démarre de la distribution d'énergie et de la protection des circuits, donc avec toute une gamme de produits sur laquelle on opère. Les alimentations sans interruption, donc aujourd'hui, comment avoir une installation fiable, d'accord ? Avec une continuité de service qui est importante. Eaton, au Maroc, donc c'est un siège au niveau de Casablanca, principalement.
avec plus d'une trentaine d'employés. Aujourd'hui, on a une usine qui a été érigée au niveau de Noisin, au niveau de la zone Mid Park. D'accord. Donc, c'est une usine qui a ouvert ses portes en 2015 et qui est dédiée principalement à exporter des produits. Donc, aujourd'hui, on est sur des standards internationaux, que ce soit pour les États-Unis, que ce soit pour l'Europe aussi. Et ça, c'est une fierté marocaine, on va dire. Ça passe. Voilà. Donc un peu les dates clés, d'accord. La création de Eaton au Maroc, c'est en 2007, donc que le bureau Casablanca a été créé. En 2008, on a lancé la partie service après-vente, donc on a constitué une équipe technique pour suivre toutes nos activités installées au Maroc. 2010, le lancement de la distribution électrique après le rachat de l'entreprise Müller, donc c'est une entreprise allemande, leader dans son domaine de distribution électrique. 2012, le lancement de l'activité au Maroc, LifeSafe, donc tout ce qui est en rapport avec la sécurité des bâtiments, que ce soit au niveau des éclairages de sécurité, au niveau de la détection incendie aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important et dans l'ADN de Eaton. 2016, donc l'inauguration officielle de l'usine au Maroc, donc depuis 2016. Et aussi, c'est une fierté parce que c'est tout un showroom de Eaton en fait. Contient toutes les solutions, donc c'est pour nous aussi un showroom pour nos clients et pour nos partenaires. Alors en 2019, l'acquisition de Uluso, donc c'est une entreprise turque qui est spécialisée dans la distribution en moyenne tension, donc aussi ça rejoint un peu, on va dire, l'idée globale de pouvoir avoir une solution complète et de pouvoir, on va dire, gérer toute cette énergie ou cette transition depuis la moyenne tension jusqu'à la petite prise électrique qui est chez nous à la maison. 2019 a vu, on va dire, le déménagement suite à l'agrandissement des équipes du siège Eaton Maroc, donc qui gère aujourd'hui non seulement le Maroc, mais il gère l'Afrique du Nord, donc notamment la Tunisie, l'Algérie. On a aussi l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est. Donc aujourd'hui, Eaton Maroc, c'est le hub, on va dire, africain pour Eaton, pour ce marché-là. En 2020, donc, on a fait l'acquisition de l'entreprise Sorio, qui est basée à Tanger. Et donc, c'est une entreprise leader aussi dans la, on va dire, dans la fabrication de composants, de connectiques, spécifiquement pour l'aéronautique et pour le ferroviaire. 2021, le nouveau qui arrive, donc, c'est le Green Motion. Donc, c'est une entreprise leader dans son domaine pour tout ce qui est recharge de véhicules électriques. Donc, très présent sur le marché suisse, mais également sur le marché européen. Et aussi l'idée derrière, c'est effectivement toutes ces acquisitions, c'est de garder cette expertise et pouvoir la développer aussi pour avoir des produits plus performants, on va dire, sur le marché. Et par la suite, 2021, donc l'acquisition de Triplight, donc un très grand acteur, on va dire, pour la partie, on va dire, informatique, gestion DB et courant ferme. Donc là, à peu près, on va dire que Eaton, il couvre en gros, on va dire, toute la distribution électrique, on va dire, depuis la moyenne tension jusqu'au plus électrique. Voilà. Alors aujourd'hui, pour la transition énergétique, aujourd'hui comment Eaton, elle innove, comment Eaton aujourd'hui elle présente son offre, comment aujourd'hui Eaton elle s'intègre dans cette démarche mondiale, je veux dire, et comment elle peut apporter son aide à ses partenaires, comment elle peut se positionner aussi, parce que ça c'est important, pour que l'on puisse réussir toutes ces transitions énergétiques. Donc la transition énergétique aujourd'hui, c'est une thématique qui, on va dire, qui englobe plusieurs acteurs. Donc on est acteur de cette transition, c'est-à-dire nous, le simple, on va dire, consommateur, le consommateur final, nous-mêmes, on est acteur par nos gestes quotidiens. Si on laisse une ampoule allumée, si on fait tourner la machine à laver, peut-être le matin, le soir, c'est pas la même chose. Donc ces petits gestes-là, comment aujourd'hui on peut aider à ce qu'ils puissent être plus économiques. On a aussi des acteurs comme les pouvoirs publics. Aujourd'hui, tous les gouvernements, on va dire, même au niveau international, ils sont là, ils mettent en place des réglementations, ils mettent en place des stratégies pour que les entreprises elles-mêmes et le simple consommateur puissent adhérer à cette transition. Et sans oublier, bien sûr, l'acteur aussi majeur, c'est l'entreprise. Donc l'entreprise elle-même, avec sa recherche et développement, comment on peut mettre en place des produits, des solutions qui vont répondre à cette transition énergétique. Donc là, aujourd'hui, c'est la question, on va dire, majeure pour laquelle on va répondre
pendant cette présentation. Donc comme j'ai dit, donc la transition énergétique, on veut passer à moins 45% d'émissions de gaz à effet de serre. Et ça c'est mondial, donc d'ici à un horizon qui est très proche, hein, 2030. 2030 c'est demain, donc il faut s'activer aujourd'hui pour qu'on puisse effectivement réussir ce challenge et ce pari. Aujourd'hui le déploiement des énergies renouvelables, on a qu'à voir aujourd'hui le Maroc, il est un champion aussi, il se positionne là-dessus par rapport à tous les pays, que ce soit l'Amérique du Sud qui sont très forts là-dessus, on va dire les pays ibériques aussi, mais le Maroc il se positionne quand même très bien sur ce secteur-là avec les projets qu'il a mis en place, soit de photovoltaïque, soit d'éolien ou même hydraulique, donc à travers les barrages et la production d'énergie, on va dire verte. Donc cette transition aussi elle est importante parce que le coût, on va dire, de production commence à augmenter de plus en plus. On a aujourd'hui des pénuries, donc on doit innover, on doit trouver des solutions, on va dire, alternatives. Et donc tout ça, aujourd'hui, les véhicules électriques s'imposent. Donc les véhicules électriques s'imposent, on commence à le voir de plus en plus, on va dire, au niveau mondial, européen aussi. Le Maroc, ça va venir, c'est sûr. On est vraiment à l'état embryonnaire de la chose. Beaucoup de choses à mettre en place, surtout en termes d'infrastructure. Et c'est quelque chose sur lequel nous, on se positionne activement ces derniers temps. Voilà, donc nous on l'avait dit tout à l'heure, donc c'est-à-dire c'est une transition aujourd'hui qui nécessite une démarche, on va dire une implication de tout un chacun, donc à tous les niveaux, pour qu'on puisse effectivement réduire cette consommation d'énergie électrique. Il faut savoir qu'aujourd'hui on a plus de 65% d'augmentation, ça c'est les prévisions mondiales, de consommation d'énergie électrique qui va venir, et aujourd'hui il faut trouver des solutions pour pallier à ça. Comment on va gérer ça? Comment on va développer des modèles, on va dire, un peu plus intelligents pour que tout le monde puisse s'y retrouver, même financièrement parlant, on va dire. Parce qu'aujourd'hui aussi, c'est un point important à soulever. Et donc, Eaton va vous proposer quelque chose, on va dire, dans ce sens-là. Voilà, donc le Maroc, l'Union européenne, à travers toutes les réglementations aujourd'hui qui sont mises en place, la décarbonation aujourd'hui, donc il y a toute une stratégie, on va dire, du ministère de l'Industrie, qui va dire qui pousse les entrepreneurs, on va dire, à venir investir au niveau du Maroc, donc avec tout ce que ça crée comme emploi derrière, tout ce que ça crée comme dynamique. Donc aujourd'hui le Maroc il doit se positionner, il doit permettre de poser cet édifice et cette pierre là et de se dire ok, nous c'est pas que la main d'œuvre qui est moins chère, c'est pas que les ressources, c'est pas ça, mais aujourd'hui on peut vous donner et on peut vous fournir des certifications, on va dire, décarbonées pour vos produits, pour que vous puissiez les exporter dans vos pays. Donc ça c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, effectivement tout un aspect réglementaire qu'il faut mettre en place aujourd'hui au niveau du Maroc. Il faut aussi maximiser les bénéfices parce qu'effectivement si on fait des économies énergie, c'est pas pour les beaux yeux, on va dire, du monde, mais aussi pour faire des bénéfices par rapport à des acteurs qui ont, on va dire, cette obligation d'être compétitifs. Et puis, bien sûr, avoir une durabilité, on va dire, une énergie qui est fiable aussi. Parce que le renouvelable, aujourd'hui, le problème, c'est qu'il est intermittent. On n'a pas une énergie, on va dire, qui est tout le temps disponible, d'accord ? Ben, ça dépendra du bon vouloir du Dieu. Si on a du soleil, si on a du vent, donc on peut produire, mais sinon, on ne peut pas. Mais à côté de ça, on a des solutions technologiques qui existent. Donc, toute la problématique, c'est comment stocker aujourd'hui cette énergie électrique. Ça, c'est important. Et comment aussi la gérer. Donc, mieux la gérer avec des systèmes intelligents qui communiquent entre eux et qui vont faire de l'arbitrage quelque part. Donc là, on peut même parler d'intelligence artificielle qui va venir par la suite agrémenter ce volet-là. Donc les solutions Eaton pour la transition énergétique et la décarbonation. Voilà. Donc aujourd'hui, les bâtiments sont devenus des hubs, on va dire, énergétiques. Aujourd'hui, comment on peut passer d'un bâtiment qui consomme uniquement à un bâtiment qui peut produire aussi de l'énergie, qui peut échanger de l'énergie avec d'autres bâtiments, avec d'autres types de bâtiments. C'est-à-dire moi, le simple... on va dire citoyen qui a une petite maison, mais à côté d'une usine, comment moi je peux fournir de l'énergie, comment je ne l'utilise pas,
au moment où cette industrie ou cette usine-là, elle en a besoin. Donc ça, c'est aujourd'hui de trouver cette communication sur un réseau qui est aujourd'hui ce qu'on appelle les smart grids. Donc c'est des réseaux aujourd'hui intelligents qui communiquent entre eux et qui profitent, on va dire, de cet aspect-là. Donc Eaton, aujourd'hui, se positionne sur plusieurs volets. Donc on va un peu parler, on va dire, plus précisément par la suite sur chacun de ces aspects-là. Eaton, il est aussi dans le stockage énergétique. Donc Eaton développe des solutions de par son expertise aujourd'hui au niveau des UPS, dans tout ce qui est alimentation sans interruption. Donc nous, on a mis en place des systèmes de stockage à base de batteries en lithium. Pareil, aujourd'hui, on a toute une offre de bornes de recharge. Bornes de recharge, aujourd'hui, après on verra en détail comment elle peut aujourd'hui, une borne de recharge, délivrer, on va dire, de l'énergie à un bâtiment. C'est aussi quelque chose qu'on va voir tout à l'heure. Et bien sûr, tout ça passe par les circuits. Donc les circuits, c'est tout ce qui est distribution électrique. On a des circuits aujourd'hui de protection, parce qu'effectivement, si on échange d'énergie, il faut être protégé pour qu'effectivement, il n'y a pas d'incident, il n'y a rien qui se passe. Protéger nos équipements, parce que c'est des équipements aussi qui coûtent de l'argent. Et principalement protéger les personnes. Donc on va voir en détail quelque part toutes ces technologies-là que Eaton offre à ses partenaires dans le monde. Alors dans le réseau, on va dire le schéma classique aujourd'hui, on est sur des centrales de production d'électricité. Donc aujourd'hui, sans produire l'énergie électrique à travers le gaz, le fuel, des énergies, on va dire, fossiles, donc d'une manière traditionnelle. Aujourd'hui, comment intégrer ces énergies fossiles-là avec de l'énergie produite, on va dire, de la green energy, donc c'est de l'énergie verte, que ce soit à travers de l'hydroélectricité, que ce soit au niveau, on va dire, éolien, mais aussi au niveau solaire. Donc ça, c'est les trois alternatives aujourd'hui. On parle du gaz aussi, pareil, donc c'est quelque chose sur lequel les chercheurs et les entreprises se penchent. À travers la production, donc via la transmission ou le transport d'énergie, donc il faut transporter cette énergie-là, c'est clair, on va dire, d'un endroit à un autre. Et sur cette transition-là ou cette transmission-là, il y a aussi matière à communiquer, à savoir comment on peut optimiser cette transmission. Là, on parle sur certains pays en Europe d'une transmission ou d'un transport d'énergie avec des câbles d'essai parce que ça permet effectivement moins de chute de tension. Donc ça, c'est des choses aussi sur lesquelles, on va dire, les industriels se penchent. Alors, une autre alternative aussi, c'est de pouvoir stocker cette énergie. Donc, on ne va pas stocker d'énergie, on va dire, à une chaîne, mais au niveau grid. Donc, aujourd'hui, on a carrément des sites éloignés où pour ramener carrément de l'énergie, c'est un peu difficile. Donc là, on part sur des concepts containerisés, sur des concepts où on a de la batterie, c'est elle qui va être, on va dire, en premier lieu pour délivrer votre énergie. Pareil, donc si on s'arrête au niveau de la transmission, on a la distribution. Donc la distribution, c'est plutôt au niveau des agglomérations, au niveau des villes, c'est là où on va distribuer de l'énergie, c'est là où on va donner l'énergie au consommateur final. Donc à cela, on va dire que le réseau, il va subir un stress, on va dire, de par la nature du changement, on va dire, des habitudes des consommateurs. On passera peut-être sur des véhicules électriques, donc il y aura plus de demandes d'électricité là-dessus. Comment aujourd'hui on va pouvoir, sans changer l'installation existante, comment on peut pouvoir intégrer ce véhicule électrique? D'accord? Donc toute l'intelligence aujourd'hui des systèmes qu'on développe vont dans ce sens-là, de gestion et aussi d'intégration de ces nouveaux équipements dans notre vie quotidienne. Donc voilà, pareil, donc c'est le même schéma aujourd'hui, en intégrant la partie véhicule électrique à notre schéma, on va dire, conventionnel, en intégrant du stockage à un schéma conventionnel. Donc tout ça qui va être géré et qui va être, on va dire, managé par une power distribution, donc des composants qui vont faire que les équipements vont comprendre, on va dire, et vont assimiler, on va dire, toute cette nouvelle énergie demandée. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, l'approche à The Grid, pareil. Donc,
on a la production d'énergie, d'accord? Derrière, on a du stockage, on a du système de management. Donc ça, c'est de l'énergie management. Ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est d'avoir des équipements qui sont connectés et qui parlent entre eux, quelque part, et qui pourront réagir d'une manière ou d'une autre en fonction des paramètres qu'ils auront. L'intégration des bornes véhicules électriques. Moi, dans le secteur, j'en vois de plus en plus ces dernières années des demandes d'intégration de, on va dire, de bornes de recharge pour véhicules électriques. Et tout ça à travers un circuit, comme on a dit tout à l'heure. Donc, c'est le circuit de distribution d'énergie. Voilà. Donc, pour le stockage. Alors, au niveau du stockage, c'est une histoire qui avait commencé un peu plus tôt chez Eaton. Donc, ça devient une tendance, on va dire. C'est un partenariat qu'on avait fait avec Nissan aujourd'hui pour qui fabrique des véhicules électriques, comme vous le savez, donc la Nissan Leaf principalement. Donc, ces véhicules électriques, ils ont une durée de vie. Donc, forcément, parce que la batterie, effectivement, elle perd, on va dire, en termes de capacité avec le temps. La logique derrière, c'est comment recycler ces batteries électriques. Donc ça, c'était une question qui a été posée et que nos chercheurs se sont mis là-dessus. Et ils ont créé un partenariat avec Nissan pour récupérer, on va dire, les batteries de véhicules électriques qui ne sont plus capables de fournir une énergie suffisante pour faire rouler la voiture, mais qui sont toujours capables, à travers un conditionnement, à travers, on va dire, un rétrofit qu'on fait sur ces batteries-là, de fournir de l'énergie pour un bâtiment, c'est-à-dire pour de la lampe, pour de la prise, pour un congélateur, pour un four et autres, et même pour une industrie. Donc aujourd'hui, ça a commencé de ce pas-là, tellement ça a eu du succès qu'à un certain moment, on se retrouvait en rupture de batterie, on va dire Nissan Leaf, donc on a développé aussi la batterie neuve. Donc quelque part, la batterie lithium, on va dire que ça reste quelque part un succès, nous on le vit à travers nos équipements, c'est-à-dire nos PC, on va dire nos téléphones portables qui en sont équipés. Et là, c'est à plus grande échelle, au niveau d'un bâtiment, au niveau d'une maison, au niveau de l'industrie, carrément. Donc, on a une gamme aujourd'hui hybride, donc une gamme d'onduleurs hybrides avec un stockage lithium qui peut être installé dans une maison, une villa, d'accord. Donc, on a des systèmes en monophasé, en triphasé, pareil. Donc, c'est pas un gros système, c'est un petit système. Et par la suite, on a des systèmes, on va dire, compacts et plus évolués pour des bâtiments de bureaux, pour des bâtiments, on va dire, industriels. Donc voilà, ce que je vous ai, on va dire, exposé tout à l'heure, c'est ça, le partenariat avec Nissan qu'on avait fait. Et la bonne chose, on va dire, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que c'est des batteries qui sont reconditionnées et qui sont montées en usine ici au Maroc. Donc ça aussi, c'est une fierté pour nous. Et qui nous laisse dire que d'ici peu, ça va avoir un boom. Et donc, nous, on sera quelque part un des pionniers de cette technologie-là. Donc, un peu le principe de fonctionnement, on va dire que peut-être qu'il y en a qui le connaissent, mais je vais quand même l'expliquer. Donc, on reçoit les modules de chez Nissan Leaf, donc les batteries de 100 Go. On les reconditionne et on les repack, donc on les met en packaging sous forme de pack batterie de 12 modules. D'accord. Alors, les modules sont équipés de BMS, donc c'est un système de gestion aussi, donc qui est propre à Eaton, développé par notre propre équipe. On associe à ça un onduleur, donc un onduleur hybride qui à la fois va prendre de l'énergie des panneaux solaires ou d'une autre source quelconque, mais aussi qui va pouvoir charger notre batterie pour pouvoir l'utiliser dans un temps ultérieur. Voilà, donc c'est un peu quelques photos qu'on a ramenées de l'usine, donc l'usine à Kazan, Noisseur, donc qui a tout un système derrière de gestion de qualité et de gestion de produits pour fabriquer ces batteries. Il faut savoir aussi que ces batteries sont exportées partout dans le monde. Aujourd'hui, Eaton, c'est un acteur mondial, donc l'usine au Maroc, elle va livrer l'Europe, elle va livrer les États-Unis, elle va livrer partout dans le monde ces batteries-là. Alors, notre système, il a plusieurs, on va dire, fonctionnalités. Peut-être que dans le Maroc, on n'est pas assez, on va dire, mature comme marché pour qu'on puisse exploiter toutes ces fonctionnalités-là, mais on voit ça. Dans nos pays voisins, on voit ça. Alors, on intègre un peu les énergies renouvelables. Comme c'est un onduleur hybride aujourd'hui qui prend directement des panneaux solaires,
on intègre l'autoconsommation. C'est-à-dire que notre système, il permet aujourd'hui, en période où il y a, on va dire, de la lumière, c'est-à-dire le matin, le jour, de consommer principalement des panneaux solaires et bien sûr pouvoir stocker pour que, effectivement, quand on rentre le soir, on puisse utiliser cette énergie-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est super important au niveau de la consommation. Aujourd'hui, on peut l'utiliser en tant que système secours, c'est-à-dire en une simple alimentation sans interruption. Donc, je peux mettre mon système au mode backup. Donc, s'il y a une coupure demain après-demain, il y a une coupure de 5, 10, 20 minutes, 1 heure, ça dépendra. Donc, le système, il prend le relais pour effectivement secourir tous les équipements, on va dire, critiques qu'on a dans notre installation. Alors, on a aussi tout ce qui est écrétage et pique. Donc, ce mode-là d'écrétage et de pique, c'est un système qu'on utilise quand il y a une forte demande. Aujourd'hui, il faut savoir que, par exemple, en France, quand il y a des pics, on va dire, de demande, ben, les entreprises, elles sont bien taxées. Il faut savoir aussi que même au Maroc, pour les industriels, c'est une pelle, on va dire, de courant qui est supérieure à ce qu'effectivement, cette entreprise-là avait souscrit. Donc, il y a des pénalités. Là, le système, il permet, dans ce sens-là, quand l'injection, elle est permise, de pouvoir récupérer cette énergie-là, parce que moi, je ne suis pas là peut-être le matin, de réinjecter dans le réseau là où il y a la demande la plus forte. Donc, quand il y a une demande, donc, le système permet d'écréter, on va dire, la puissance demandée sur le réseau. Et donc, ça permet de réduire aussi le stress sur mon réseau. Aussi, on fait de la régulation de fréquence. Donc, on a aussi quelques équipements qui polluent un peu le réseau. Le système, il permet de faire aussi cette régulation, on va dire, de fréquence pour pouvoir avoir un réseau qui est vraiment très stable. Donc là, d'où vient la continuité de service, d'où là vient aussi une énergie qui est vraiment très stable au niveau de la consommation. Donc voilà, on a eu pas mal de reward par rapport à l'innovation qu'on a mis sur ce système-là. Il y avait Tesla qui avait fait un système de stockage, mais pas couplé avec un onduleur. Donc aujourd'hui, toute cette gestion-là, elle n'est pas prise en compte. Aujourd'hui, faire du stockage pour faire du stockage, ça n'a pas de sens en soi. Mais aujourd'hui, il faut avoir quelque part une certaine approche pour faire du stockage intelligent. Voilà. Donc ça, c'est un schéma, on va dire, d'une maison classique. Donc, on a tous les équipements qui sont, on va dire, connectés entre eux à travers le circuit électrique. On met notre système de stockage d'énergie, lui, il est couplé au réseau, d'accord, à travers, effectivement, une boîte de jonction AC ou un tableau électrique. Donc, le système permet de lire le réseau, de voir si on a besoin d'injecter, si on a besoin de récupérer, de freiner, parce qu'aujourd'hui, en termes d'injection, sur ma encore on va dire actif au niveau DT. Donc du coup, aujourd'hui, le système est valide. Et s'il a un excédent, il va le stocker. S'il peut consommer, il consomme. S'il va travailler en termes d'alimentation secourue, il va travailler en alimentation secourue. Et bien sûr, en minimisant toujours zéro injection sur le réseau par rapport au Maroc. En France et d'autres pays en Europe, aujourd'hui, on injecte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de revendre l'énergie. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, sur l'Europe, ça se développe beaucoup plus parce que les gens, ils peuvent revendre leur énergie. Donc voilà un peu les différents systèmes avec les différentes capacités de stockage aussi, si c'est important. Donc on a des chargeurs qui peuvent aller de 3,6 kW jusqu'à 6 kW de puissance. Ça correspond en moyenne à une maison d'individu normale. Avec des capacités qui peuvent varier de 6 kWh à 10 kWh et passant par les 4,2 kWh. Donc ça, c'est des batteries reconditionnées de chez Nissan Leaf. Donc ils sont à 4,2. On voit effectivement que la capacité, elle est réduite. Mais en termes de longévité, ils sont pareils que des batteries neuves. D'accord ? Sur le même système, on a un système monophasé, donc, que je vous présentais tout à l'heure, mais on a aussi son frère qui est en phasé. Donc aujourd'hui, si on part sur une villa, c'est une maison qui va fonctionner plutôt sur du triphasé, d'accord. Et là, on a des systèmes de stockage aussi en triphasé, avec un onduleur et des packs batteries qui vont avec. Bien sûr, qui dit une villa, il faut avoir un petit local où mettre tout ça. L'autre, il était beaucoup plus, on va dire, esthétique,
Il est fancy. Donc, on peut le mettre quelque part où ce n'est pas visible. Il est... c'est pas de bruit. Celui-là, par contre, il faut le mettre quelque part à l'abri des regards. Donc, voilà un peu le pack batterie. Donc, le pack batterie est plus important parce qu'on est sur du triphasé. Donc, on a une puissance qui est plus grande. Donc, une bouteille qu'on ne sent pas forcément autant qu'un appartement ou qu'un riad, par exemple. Donc, aujourd'hui, il faut mettre des systèmes avec du stockage. On peut les mettre en off-grid carrément, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'être connecté à un réseau électrique, d'une régie quelconque. Donc je suis dans un patelin, j'ai une petite ferme, donc je peux mettre des panneaux solaires, je produis moi-même, je consomme la journée et je stocke pour le soir. Donc ce système-là aussi, il a l'obligation d'être connecté. Donc aujourd'hui, quand on parle de transition énergétique, c'est une connexion forcée et obligatoire d'avoir des systèmes qui sont connectés. Des équipements qui sont connectés et qui communiquent entre eux. Donc, il y a plusieurs, on va dire, protocoles, on a plusieurs, on va dire, formes de communication, soit filaire, non filaire, pour qu'on puisse effectuer ce, on va dire, cette gymnastique. Donc, le Heat Storage Compact, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, ce qu'on appelle nous le Heat Storage Home, donc c'est principalement pour les maisons. Le Heat Storage Compact, c'est un peu plus de puissance, un peu plus de stockage en termes de capacité. Donc, ça relève, on va dire, d'une plus grande infrastructure. Donc, je suis plutôt sur un bureau, je suis plutôt sur un mall, je suis plutôt sur un espace de conférence. Donc, celui-là, il aurait pu être effectivement alimenté par l'énergie renouvelable, hein, sans aucun souci. Tout ça, bien sûr, il ne faut pas oublier que tout ça est monitoré, tout ça est couplé, tout ça est communicant. Donc, on peut avoir en temps réel ce qu'on consomme, ce qu'on produit, ce qu'on réinjecte sur le réseau, si jamais c'est possible. Et de faire le système, il est intelligent en lui-même et il commence à faire des analyses et par lui-même il prend des décisions de favoriser tel scénario par rapport à tel scénario pour que ça puisse se passer dans les meilleures conditions. Donc voilà, on passe d'un système simple à un système double, un système poivreux. Ça dépendra après des puissances, ça dépendra, on va dire, de la capacité qu'on veut avoir, du confort qu'on peut aussi avoir. Ça dépendra aussi des. Parce que là, on a aussi des limitations. Parce que si on parle du photovoltaïque, principalement, on a besoin d'espace. Donc, quand on a des panneaux, il faut aussi dire qu'on a besoin d'espace pour produire cette énergie-là qu'on va stocker. Passons des packs batteries. Là, on passe sur des systèmes beaucoup plus grands, des puissances beaucoup plus grandes et même à une échelle beaucoup plus grande. Aujourd'hui, on peut installer ces systèmes-là en. Système containerisé carrément, avec des conteneurs et des conteneurs de batterie, un système de conversion d'énergie au niveau, on va dire, réseau. Je peux, demain, après-demain, tout un village qui n'est pas, on va dire, alimenté par de l'électricité, je peux mettre un conteneur, alimenter ces gens-là avec de l'électricité purement renouvelable. Donc voilà, je vais inviter un peu plus vite. Que les présentations, mais ça c'est quelque part un exemple. Donc on a eu quelques exemples aussi, mais plutôt en Afrique. Si je prends le Nigeria par exemple, on a eu un projet comme celui-là avec un conteneur de batterie avec effectivement des onduleurs de grande puissance pour alimenter carrément des villages. Aujourd'hui on utilise aussi ça pour alimenter des casernes, donc c'est un peu sensible, donc les casernes militaires, des choses comme ça. On peut avoir ça sur des bateaux, on peut avoir ça sur pas mal de, on va dire, d'applicatifs. Voilà, là on parle de, on va dire, des ordres de mégawatts. Donc on est plus sur du kilowatt, et c'est du mégawatt qui représente à peu près 1000 kilowatts. Donc on peut un peu voir la dimension. Le kilowattheure au mètre carré aussi, il est important parce que, comme je disais tout à l'heure, on a besoin d'espace pour produire, mais bon, on a aussi de l'espace pour mettre du stockage. Parce que ça, c'est des batteries lithium, effectivement, containerisées, c'est des solutions qui peuvent être posées quelque part. Donc là, le mètre carré au kilowattheure, c'est l'un des plus, on va dire, les plus petits en termes de stockage pour l'instant, sur le marché. Voilà, donc ça a été par rapport à la partie stockage, principalement. Donc la partie stockage, on a parlé de storage home, donc c'est pour le petit ami, c'est-à-dire l'individu, le consommateur final. On a parlé du compact, donc c'est une autre dimension avec plateau bureau et autres.
Et là, on est passé aussi au niveau grid, donc au niveau network et réseau électrique avec le X-Torres, on va dire, building. Alors, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, l'intégration des énergies renouvelables, c'est quelque chose qui est, on va dire, embryonnaire sur Maroc. L'infrastructure, elle doit être mise en, on va dire, en conformité avec cette intégration. Et pareil, donc, pour l'électrique. Donc, si demain, après-demain, il y a un boom de du véhicule électrique, tout le monde voudra avoir une prise électrique chez lui pour charger sa voiture. Chez lui, au bureau, quelque part d'autre pour charger son véhicule. Donc, Green Motion, ça a été une acquisition en 2021. Donc, un des leaders, comme je vous ai dit, en Suisse et aussi en Europe pour tout ce qui est recharge de véhicules électriques. L'offre chez Eaton, elle se décline, on va dire, en deux grandes parties principales. Donc, on a de la recharge AC, d'accord, en courant AC. On a de la recharge en courant DC, d'accord. Tout ça, bien sûr, mis sur un réseau communiquant avec un logiciel de supervision et de gestion de l'énergie. Donc, si je prends le Green Motion, on va dire en AC, on est sur, on va dire, trois gammes principales, d'accord. On a une gamme, on va dire, résidentielle, ce qu'on appelle le Extreme Home. Donc, c'est un chargeur de véhicule qu'on peut mettre chez soi, dans le garage, d'accord. Ce n'est pas une grosse puissance, parce qu'effectivement, on recharge nos véhicules le soir. Par la suite, on a le X-Charger, on va dire building. C'est la même puissance, mais là, on a beaucoup plus de fonctionnalités. On peut verrouiller, on peut déverrouiller, parce que c'est un endroit où il y a un accès public. On est dans un garage, par exemple, ou un parking commun, dans un immeuble, dans un bureau. Donc, il faut qu'on soit en mesure de, on va dire, de gérer cet appareil-là à distance, parce que ce n'est pas un accès public qu'on veut. Et après, on a le chargeur mobility, donc là, c'est quelque part quelque chose qu'on peut mettre, c'est-à-dire sur une infrastructure autoroutière ou autre. Sur la partie DC, donc pareil, ici, ça se décline en trois gammes, mais principalement, c'est par rapport à la puissance qu'on utilise, c'est ça, ce chargeur-là. Vous me direz pourquoi il y a le AC, il y a le DC. Hein. Ça, c'est quelque part une technologie pour les véhicules électriques qu'on va exposer tout à l'heure. C'est pour ça qu'on a les deux. Entre l'AC et le DC, et bien sûr, par rapport à l'application. C'est-à-dire, demain, je vais avoir un chargeur DC qui coûte je ne sais pas combien, alors que je pourrais avoir effectivement un chargeur home beaucoup plus adapté et, on va dire, beaucoup plus, on va dire, économique par rapport à l'utilisateur. Donc voilà, c'est tout ce qu'on avait dit tout à l'heure par rapport à ce qui est résidence privée. On est sur un résidentiel collectif, un espace public pour une entreprise. Et après, on a des stations et des hubs de recharge. Donc ça, principalement, c'est au niveau des stations-service qu'on retrouve ou sur l'axe autoroutier. Voilà, donc là, on va parler un peu des technologies qui existent sur le marché pour les véhicules électriques. Alors, on va dire les véhicules électriques, on a aujourd'hui ce qu'on appelle le véhicule tout électrique. C'est-à-dire qu'il a uniquement un moteur électrique qui fait tourner. Si le moteur électrique ne tourne pas, on va tirer à l'arrêt. D'accord ? On a aussi ce qu'on appelle les plug-in hybrides. Les PHEV. Donc les plug-in hybrides, ici, on va combiner entre un moteur thermique et un moteur électrique. D'accord ? Mais avec la possibilité de pouvoir recharger la batterie. Donc là, c'est quelque chose qu'on peut connecter. C'est-à-dire on s'arrête à une station service. On peut avoir de l'autonomie supplémentaire en rechargeant notre batterie. D'accord ? Et il y a bien sûr la technologie, on va dire, la plus ancienne, c'est HEV, donc c'est des hybrides. Donc ça, on les a vus à l'époque avec la Toyota, avec pas mal d'autres véhicules, où on combine ici entre un moteur électrique, un moteur thermique, d'accord. Mais il n'y a pas de possibilité de recharger la batterie. Donc la batterie, elle se fait, on va dire, elle se recharge automatiquement en récupérant de l'énergie, on va dire, après le freinage, par exemple, au lieu de perdre cette énergie thermique, on la convertit en énergie électrique et on la stocke dans la batterie. Pareil, quand on voit un peu les photos, les trois on va dire, illustrations, alors quand on parle de véhicule électrique, full électrique, donc c'est là où on a la batterie qui est plus grande. Quand on passe sur du PHEV, la taille de la batterie est beaucoup plus petite. Sur du HEV, du hybride, bien sûr, parce qu'effectivement, là, on n'est pas sur de la recharge, mais ici, on va l'utiliser en tant que complément au moteur électrique. C'est pas le moteur thermique en premier lieu, et après, on complète. Si on ne dépasse pas, par exemple, une vitesse, donc on va rouler en électrique. Si on dépasse la vitesse, on est en thermique.
Donc, il y a des choses comme ça qui se font. Donc, la batterie, elle est beaucoup moins conséquente que les deux autres systèmes. Un petit parallèle, demain, après-demain, on va partir faire le plein en levier du levier pour moi 30 litres. Donc, ça veut dire mets-moi 50 kW chez le pompiste. Donc là, la consommation à peu près, donc pareil, c'est limite par rapport à des kilomètres. Et là, je peux vous donner un ordre d'idée, par exemple, pour un 100 km, un véhicule électrique, il consomme dans les 20 kWh, d'accord? Donc ça, c'est un peu, on va dire, un parallèle. Après, on verra le prix du 20 kWh, donc ce qui nous donnera un peu le prix du litre de gasoil. Donc c'est une comparatif qu'on va voir tout à l'heure. Pareil, là, on parle de, voilà, la vitesse. Plus parler de litres 100 ou de litres par minute. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, plus aujourd'hui, on a de kilowattheures dans un véhicule, plus il va aller plus loin. Donc, sur un full électrique, par exemple. Et pareil, moins il va consommer de kilowattheures, plus il durera dans les kilomètres. Alors, ça, c'est un graphe qui va vous dire exactement aujourd'hui comment l'évolution d'un véhicule électrique ou de la batterie. Effectivement, on voit que effectivement sur un PHEV, donc un plein, donc la batterie elle a commencé, on va dire, à certaines années à 12 kWh. Donc 12 kWh, c'est rien, c'est l'équivalent de 50 km de trajet. Aujourd'hui, là, il la réduit beaucoup plus, donc il passe à 10. Pour savoir pourquoi, parce que là, on essaie de développer beaucoup plus les voitures en full électrique. Aujourd'hui, l'idée c'est de passer en full électrique sur la mobilité. Donc là, le pôle électrique, on est passé de 23 kWh, d'accord? On est là à peu près à 56,6, bon, on dit 60 kWh. Là, les derniers modèles de voitures électriques, on va dire les Tesla, les autres, aujourd'hui, ils sont à 60, entre 60, 75 à 80 kWh. D'accord? D'où aujourd'hui, on dit qu'un véhicule électrique, une Renault Zoé, par exemple, fait 400 km, 500 km. Donc, rapporté à ce que j'ai dit tout à l'heure, les 20 kWh par 100 km, donc ça fait à peu près les 80 kWh, les 60 kWh qu'on a ici. Et bien sûr, ce développement-là, il s'est fait aussi sans changer, on va dire, le concept de la voiture. La voiture n'a pas pour autant augmenté de volume, elle n'a pas grandi, c'est pas allergique. Alors, tout à l'heure, on a parlé des chargeurs en DC et en AC. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de modes de recharge pour un véhicule électrique. Alors, le mode 1, parce que ça, c'est le plus simple et tout le monde va me dire « Ouais, mais pourquoi on n'utilise pas ça ? Pourquoi on va mettre une borne ?» Le mode 1, c'est-à-dire on a une prise, on a une rallonge et on branche notre véhicule. C'est bon, c'est branché, on peut alimenter notre véhicule et le recharger. Le deuxième mode aujourd'hui, pareil, on a une prise électrique, mais sur le câble ou la rallonge qu'on va utiliser, on va utiliser un système, on va dire, de protection qui va protéger à la fois votre batterie et à la fois votre installation. Parce que sur le premier mode, là, avec une rallonge et une prise, donc il y a pas forcément une protection supplémentaire pour la gestion, on va dire, de la charge de la batterie. Alors, le mode 3, dont on a parlé maintenant, et puis en vigueur, on va dire, sur l'ensemble, on va dire, du territoire, soit international ou national, le mode 3, c'est la prise sécurisée. Aujourd'hui, on a une borne de recharge, ce n'est pas qu'une prise. Hein. C'est une prise avec une sécurité derrière pour qu'elle puisse protéger à la fois l'utilisateur, c'est-à-dire celui qui va brancher, la batterie pour qu'il n'y ait pas de problème, on va dire, ou de surprise, et aussi pour protéger votre installation de la maison. Parce que là, votre véhicule il est connecté à votre maison. Après-demain, s'il y a un problème, c'est toute la maison qui peut aller, c'est-à-dire en ville. Donc ça, c'est le mode 3. Et après, on a le mode 4. Donc le mode 4, c'est les chargeurs DC, bien sûr. C'est des bornes en courant continu, d'accord, et qui permettent, on va le voir par la suite, une charge rapide. Donc, pour un peu vous donner la différence. Donc, les différents types de, on va dire, de prises qui existent aujourd'hui, on a quelques modèles, donc les quatre modèles qui vont avec les quatre modes principalement. On a le mode 1 où on a une prise normale en monophasé. Le mode 2, c'est une prise en triphasé. D'accord. Après, on a le mode 3, donc les types 2 et 2S. Donc, au niveau de nos bornes, les types 2, 2S, la différence elle est très simple. Donc, quand on met un S, ça veut dire un shutter. Et donc là, on rejoint aussi la sécurité de celui qui protège, surtout quand on est dans un espace public.
quand on est chez nous, on est plus ou moins habitué, on va dire, à avoir nos équipements et à les utiliser. Mais sur un lieu public aujourd'hui, et sécuriser l'accès à une borne, on a besoin d'un couvercle, on va dire, donc c'est le shutter. On met un couvercle pour effectivement protéger celui qui va venir utiliser cette borne. Donc, et bien sûr, on a aussi quelques innovations du côté japonais qui sont très à l'avance sur ce sujet-là de véhicules électriques, où ils ont développé une propre prise à eux. Donc, c'est une prise, on va la voir par la suite, qui va permettre quelque chose qui, on va dire, qui est formidable, d'accord, dans l'utilisation du véhicule. Alors, on va dire pour recharger votre véhicule, hein, ça, c'est un peu la question aujourd'hui. On fait le plein, ça nous prend 10 minutes. Et pour recharger, c'est pas grave. Aujourd'hui, quand on est chez nous, comme j'ai dit tout à l'heure, on rentre le soir, on n'a pas forcément de contraintes, donc on met le véhicule, on le met sur la prise. Bon, ça peut prendre entre 5, 7 heures, 8 heures de recharge. Quand on est au bureau, forcément, on va louer des temps pour les gens qui puissent recharger. Donc, le bureau, on est là 8 heures, mais on ne va pas charger le véhicule 8 heures. Hein. Peut-être 4 heures, peut-être 3 heures, le temps d'avoir une certaine, on va dire, autonomie, donc, atteindre à peu près les 80%. Et par contre, quand on est sur la recharge rapide, d'accord, donc le CSS, aujourd'hui, dépendamment des modèles, on peut atteindre, en fait, on peut aller jusqu'à 15 minutes. C'est-à-dire, je m'arrête, je prends un café, en 15 minutes, moi j'ai rechargé mon véhicule. Mais tout ça, bien sûr, dépend du modèle du véhicule que vous allez acheter. Parce que tout simplement, aujourd'hui, la contrainte, elle est où au niveau voiture électrique. La voiture électrique elle-même, elle a un chargeur. Elle a un chargeur embarqué, donc ce qu'on appelle chargeur. On boit, donc le COB. Donc ce chargeur-là, il a une certaine limite et une certaine capacité d'absorption. Donc cette capacité d'absorption, elle va nous permettre de soit absorber beaucoup d'énergie dans un temps qui est très réduit, et là effectivement la charge se fait plus rapidement. Quand le chargeur lui-même de ce véhicule-là, c'est pour ça que j'ai dit ça dépend des modèles, il est un peu limité en termes d'absorption, donc là on passera beaucoup plus de temps à recharger le véhicule, mais avec la même borne. Hein. Je ne parle pas d'une borne différente. Donc là aussi, c'est quelque chose, on va dire, qui se développe au niveau, on va dire, constructeur. Donc c'est là un peu sur quoi ajouter cela, c'est pour ça qu'il est, on va dire, le niveau mondial là-dessus. Et bien sûr, les constructeurs. Donc voilà, à peu près tout à l'heure, on avait dit une batterie de 75 kWh, donc c'est le modèle Tesla 3. Il a un chargeur embarqué qui est à peu près 11 kW, mais il peut absorber en termes de recharge du tout 145 kW. Donc, ce qui est fait aujourd'hui, on va dire une autonomie peut être rattrapée aussi rapidement. Donc, le premier cas, donc là, on a la limitation en termes de 11 kW. Donc, aujourd'hui, on peut mettre 5, 7 heures jusqu'à 8 heures pour recharger ce véhicule-là, le modèle Tesla. Dans le cas d'une borne d'essai à 50 kW, parce que les bornes d'essai aujourd'hui, ça part de 50 jusqu'à 160 kW. Ça dépendra après qu'est-ce qu'on veut mettre sur notre infrastructure. Alors, pour une borne d'essai de 50 kW, on est entre 40 et 60 minutes. Donc, si je triple, je diminue par 3 automatiquement. Parce que là, c'est un flux. Donc, moi, je tire de l'énergie. Donc, automatiquement, je diminue par 3 le temps de recharge. Voilà, pour une heure de recharge, par exemple, selon les modes qu'on a vus tout à l'heure, d'accord, avec les puissances de borne qui sont un peu différentes, on peut récupérer des kilomètres en une heure de charge. Donc là, par exemple, temps de recharge pour un 3 kWh, c'est 15 minutes, donc je récupère 600 km après une heure de recharge pour une borne de 120 kW. Donc aujourd'hui, l'infrastructure, c'est ce que je suis en train de dire tout à l'heure, la mise à niveau de l'infrastructure est très importante. Aujourd'hui, il faut savoir qu'est-ce qu'on met comme produit, qu'est-ce qu'on met, on va dire, au niveau de l'infrastructure pour que ça aille vite. Et pour qu'aujourd'hui, toutes les appréhensions qu'on a sur le véhicule électrique puissent disparaître. Voilà, après, ça aussi, c'est la gestion de la recharge. Donc, on parlait tout à l'heure, on s'est dit, OK, pourquoi on ne va pas prendre une seule prise chez nous? On met, la prise électrique. On recharge notre véhicule. Donc ça, c'est quelque chose de très simple. La différence avec une borne électrique, c'est que la borne électrique aujourd'hui, elle a un système de gestion. Donc la borne, elle est un peu intelligente. Et bien. Aujourd'hui, je suis sur un bâtiment. Je prends un exemple d'un bâtiment où il y a des bureaux, des plateaux bureaux avec des parkings. Alors, dépendamment de la puissance qui me reste sur ce bâtiment-là, par exemple, 50 kW disponibles sur ce bâtiment, parce que je n'ai pas le chauffage, je n'ai pas la clim, il n'y a que l'éclairage qui fonctionne et
et l'ascenseur, on va dire, les ascenseurs. Donc, j'ai 50 kW de disponible. Alors, la borne est, on va dire, ou le parc de bornes qu'on a, ils sont connectés entre eux. Et donc, ils se parlent. Là, quand j'ai un véhicule qui commence à charger, comme on a effectivement une borne de 22 kW, donc je pompe les 22 kW. Supposons qu'il y a un deuxième, un troisième, un quatrième qui vient. Automatiquement, la borne, ce qu'elle fait. Tout à l'heure, on a parlé d'une chose. Comment ne pas changer l'infrastructure du bâtiment existant en intégrant, on va dire, ces solutions-là de recharge électrique. Donc, pareil. Là, il va commencer à, on va dire, diviser, d'accord? Diviser la charge en fonction de ce qui est présent, d'accord? Et aussi en fonction de la puissance qui est disponible sur notre bâtiment. Donc là, on n'aura pas d'excédent d'énergie. C'est vrai que certes, ça va prendre beaucoup plus de temps pour recharger les véhicules, mais au moins aujourd'hui, sur ce type, on va dire, de produit qu'on met, il y a cette gestion-là. Sur une prise normale, il n'y a pas de gestion. Je viens, je plug. Il y a 5 qui se plug, ou le 6e vient aussi, il se plug, et bien on sera tous dans le noir. À part ceux qui en ont dealer chez eux. Alors, la gamme pour les bornes d'essai, pareil. Donc, la gamme de bornes d'essai, pareil, elle se caractérise aussi par rapport à la puissance qu'on va mettre. Donc, c'est du 20 kW, du 50, du 40, du 60, du 120 ou du 100. Ça, c'est un peu les puissances sur lesquelles on arrive. Et c'est une aussi des technologies qui permet la double recharge. Donc, on voit ici des bornes avec 2 prises. Donc, on peut alimenter à travers la même borne, on va dire, 2 véhicules électriques à la fois. Mais aussi, ce qui permet, on va dire, la borne d'essai, c'est quelque chose qui va être peut-être dans le futur. Aujourd'hui, la borne d'essai, elle est bidirectionnelle. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand j'ai besoin de recharger mon véhicule électrique, ben, je recharge dans un sens, donc je prends de l'énergie du réseau, et je recharge mon véhicule. Maintenant, l'idée sur laquelle il se penche aussi, c'est que comment je peux restituer cette énergie-là de mon véhicule. Je suis en vacances, je suis pas là, j'ai de l'énergie dans mon véhicule, peut-être que ma maison en a besoin, peut-être le voisin, parce que là, je suis sur un réseau connecté. Donc, aujourd'hui, comment le véhicule qui peut restituer cette énergie-là qui est dormante quelque part au réseau qui en a besoin. D'accord? Donc ça, la borne d'essai permet de faire ce genre de gymnastique aujourd'hui au niveau des véhicules, à travers des prises bien spécifiques. Et c'est là où on parle aussi d'applications comme le V2G, c'est-à-dire Vehicle to Grid, par exemple, ou la Vehicle to Building. Donc, on remet toute l'énergie. Parce que, imaginez-moi ça à grande échelle. Demain après-demain, vous avez la poste. Ils ont son véhicule électrique, ils sont chargés. Il y a un jour férié, il y a un pic de demande parce que c'est chaud, tout le monde a fait fonctionner ses clims. Donc, aujourd'hui, ces véhicules-là, on peut restituer cette énergie momentanément. Et puis, par la suite, la recharger quand on en a besoin. Donc, du coup, ça, c'est des choses auxquelles, on va dire, tous les scientifiques se pensent là-dessus, pour qu'on puisse avoir. Aujourd'hui, on cherche à avoir un modèle où on ne consomme pas uniquement. Il faut consommer, c'est vrai, parce que ça, c'est le quotidien, mais aussi savoir comment produire de l'énergie, comment restituer cette énergie-là, à travers, on va dire, des systèmes, des mécanismes intelligents, des systèmes, des softwares aussi, parce que le software, c'est le plus important dans tout ça. Et donc, lui, il permet effectivement de faire toute cette gestion-là entre des équipements qui sont super connectés. Aujourd'hui, un des plus grands succès qu'on a eu pour le stockage d'énergie, malheureusement, il n'est pas en Europe, mais bon, ça ne tardera pas à venir, il est à Amsterdam. Donc là, on avait équipé le stade de Suncruise Arena avec un système de 3 MW quand même, d'accord, avec à peu près 3 MW de stockage. Donc, il faut savoir qu'un stade chez eux à Amsterdam, c'est pas que les matchs de foot. Il y a les matchs de foot, il y a aussi les concerts, il y a des manifestations comme ça qui sont organisées. Mais au total, on va travailler sur 360 jours. Allez, ça va être un mois complet de travail. Sur le reste, ce qu'ils font, c'est qu'aujourd'hui, le stade, il produit d'énergie solaire, à travers les panneaux solaires qui sont mis au niveau de son toit, d'accord? Il la stocke pour les événements dont il l'utilise, et quand il ne l'utilise pas pour ses événements sur le réseau, où il est off, eh bien, il la remet, on va dire, sur le réseau de la ville, pour qu'effectivement, elle puisse en profiter
et servir effectivement ses clients ou ses sous-clients. Donc là, pareil, c'était une solution qui a été développée par nos ingénieurs Eton, en collaboration avec le directeur technique du stade. Donc c'est à peu près 61 racks de batterie. Donc un rack de batterie à peu près 100 kWh, je ne me trompe pas. Donc on avait 590 packs, pareil, ça a été fabriqué à l'usine Casablanca. Et là, on a intégré aussi des batteries de seconde vie de chez Nissan. Ça a fait 148 batteries. Et ça a permis de faire une réduction sur ce projet-là de CO2, parce que la finalité, on va dire, c'est la réduction de l'émission de gaz à effet de serre, c'est à peu près à 117 000 tonnes. Là, c'est une référence un peu plus récente. Donc aujourd'hui, sur le lab, on va dire SAP France, pareil. Donc là, aussi pareil, ça a été comment on va intégrer ces équipements, typiquement les chargeurs de véhicules électriques, parce que là, ils sont passés sur une flotte de véhicules en véhicules électriques. Comment aujourd'hui intégrer cette composante sans pour autant modifier ou toucher, on va dire, à la structure existante. Donc là, à travers des panneaux solaires, on fait un peu de production solaire, on fait du stockage aussi. Dans les pays, on va dire, avancés, ils ont un système on va dire de taxation hein, de l'énergie qui est un peu plus différente des nôtres. Donc, eux, ils ont des tranches où ils ne paient vraiment rien du tout l'énergie. Donc, le système de stockage, il permet aussi de stocker cette énergie-là à travers le système de gestion, de le stocker quand l'énergie n'est pas chère et d'utiliser, on va dire, au moment où l'énergie est chère. Donc, moi, j'utilise des batteries, je n'utilise pas le réseau. Et ça permet aussi d'éliminer le stress sur le réseau lui-même. Donc pareil, donc là, intégration en fonction des recharges de véhicules électriques à travers de la production PV, donc qui a permis plus de 60% d'économie d'énergie aussi, hein, parce qu'on fait d'autoconsommation, et on fait du stockage, que ce soit en période creuse ou du stockage, on va dire, de l'excédent solaire. Donc là, c'est un système à peu près à 40 kW et 150 kWh de stockage. Voilà, l'exemple que vous avez cité tout à l'heure, donc la poste aujourd'hui... Même le Maroc, aujourd'hui, il y a une signature entre le gouvernement, la poste, pour lancer les véhicules à vie. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel on peut réfléchir. Ça démarre sur une échelle un peu plus petite, mais après, quand ça se déploie sur des échelles plus grandes, c'est là où on voit un peu le bénéfice du stockage énergétique. Voilà, donc, il faut dire qu'aujourd'hui, on met tout en place, en tant qu'Eton, leader mondial dans la gestion d'énergie, pour développer des systèmes sur le niveau du stockage énergétique, aussi au niveau des recharges des véhicules électriques, mais aussi au niveau sorteur, qui est système de gestion de ces équipements-là.